Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Je te présente à nouveau une night shower routine. J'ai tendance à en faire régulièrement parce que c'est très important pour moi. Je sais pas si tu me connais, si tu es nouveau sur la chaîne ou pas, nouvelle sur la chaîne ou pas. Je suis une mère de 5 enfants. Et honnêtement, je lui ai souvent dit ce genre de moment, c'est à ne pas négliger. S'exfolier la peau et sortir parfumé de la salle de bain, il n'y a rien de mieux. Et honnêtement, si je peux rajouter un petit peu ce scrub là de Tree Hut, j'en ai pas encore goûté un meilleur. J'ai utilisé du Dove, mais le Tree Hut là, il te laisse une peau après. C'est juste un délice. Je me trouve être un délice pour moi-même. Je suis mon propre délice quand je sors de la salle de bain. Et si je peux vous le recommander, je vous le recommande. Utilisez ce Tree Hut là. Faites un essai. Et si vous avez connaissance et utilisez d'autres scrubs qui sont tout aussi efficaces, partagez un commentaire, comme ça moi-même je vais les essayer. Mais juste exfolier sa peau, c'est comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo où il y avait surtout des produits Dove, que quand je me lave, franchement, de voir les peaux mortes partir, de voir la propreté s'installer, etc., ça me fait du bien, ça me détend, le parfum me fait voyager. Donc les filles, même les garçons, prenez soin de vous, ne vous négligez pas, ne vous laissez pas absorber, aspirer par les choses du quotidien. Prenez soin de vous en profondeur. C'est vrai, on va me dire, oui, mais c'est pas tout de prendre soin de soi à l'extérieur. Non, même à l'intérieur. À l'intérieur, prends soin de toi. Non seulement dans ton alimentation, mais aussi dans ton bien-être mental. Il y a des choses que tu vis qui ne sont que toxicité en fait pour toi. Il y a des choses que tu manges qui ne sont que toxicité pour toi. Donc prends soin de toi d'une manière physique, mais prends soin de toi aussi à l'intérieur. Et là, tu vois, c'est mon moment Yonistim. C'est aussi une autre manière pour moi de me faire du bien. C'est aussi une autre manière pour moi de me détendre. Ce moment de bien-être là, il doit atteindre tous les paramètres possibles de ta vie. Tous les paramètres qui sont à ta portée. Ce Yonistim là, c'est pas le premier que je fais. Il y a d'autres vidéos. Et honnêtement, il fait du bien. Tu te mets en condition. Une musique douce, une musique apaisante. Et tu laisses le Yonistim faire son travail dans le bas de ton corps. Tu laisses le Yonistim te nettoyer de l'intérieur. Un autre domaine, un autre compartiment de ton être est purifié, est nettoyé, est assaini. Et le romarin étant antibactérien, tue toutes les bactéries qu'il peut y avoir. Organise-toi, mais vraiment inclus toujours dans ton agenda des moments où tu vas t'occuper de toi avant de t'occuper des autres. Travaille à remplir ta coupe avant de pouvoir remplir ou de vouloir remplir celle des autres. Tu ne peux pas remplir la coupe des autres si la tienne est vide. Les choses ne vont pas dans ce sens. Mine de rien, c'est toi d'abord et après tu pourras être en mesure d'aider les autres. Il n'y a pas de magie. Que tu ne peux pas aider les autres si tu ne peux pas t'aider toi-même. D'accord ? Voilà. J'ai commandé à manger chez Africa Sweet, c'était un mafé poulet avec un supplément banane plantain. Elles étaient fondantes, elles étaient comme j'aime. Le riz, la sauce d'Akatine, la sauce mafé, c'était bon. Le poulet, je l'ai trouvé sec. Et c'est ça qui m'a un peu... Mais bon, bref, j'ai bien mangé. J'avais envie de manger chez Africa Sweet. Les enfants ont été cherchés, les enfants m'ont ramené et maman a quand même bien mangé. Champignons là.
Et après ça, je me suis posée devant Le Voyage du Pèlerin, qui est un film chrétien de John Bunyan. J'avais le livre dans mon Kindle et j'ai vu que je pouvais le voir dans Prime Video. Et voilà, c'était là, je crois que c'était peut-être la troisième fois que je le regardais, parce que ce film, très édifiant, très 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 édifiant. Voilà, j'espère que cette petite routine, elle va t'inspirer et que tu vas prendre soin de toi et que tu vas regarder des films inspirants aussi. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.